Ah ben, génial, génial. Et il faut, on va continuer. Ce n'est que le début. Que le début. Ça va aller. Je pense que ça s'est bien passé. Et on a fait ça pour égayer le cœur des Ivoiriens. Et on est fiers que cette mobilisation ait appelé beaucoup de personnes ici. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, le show était trop cool. Parce que c'est une première en Côte d'Ivoire. Un plus grand flash mob comme de ce genre-là, c'est pas permis à tout le monde. Vraiment, je suis très fier de l'organisation. Le show était parfaitement, ça a réussi. Très réussi. C'est comment? On avait ça. C'est bon, pour tout le monde que les Ivoiriens aussi savent de ce sang, vous êtes sans arrêter. Tu crois maintenant, ça et que la Côte d'Ivoire est libérée, en fait. Ouais. Ça va? Voilà. C'était vraiment intéressant, voilà. On était juste là pour s'amuser, on s'est amusé. C'était une lassie des jeunes. On voulait montrer qu'on était aussi créatif et on n'avait pas toujours copié les autres. Voilà, c'est de faire s'amuser. Voilà, c'est tout. Comment t'as trouvé le show? Très impeccable. Il n'y avait pas de soleil, mais on a mis la lumière. Alors, c'est Farenzoel, c'est responsable pour les gens de Facebook. Alors, c'était aujourd'hui le premier grand flash mob d'Afrique. Cette initiative de Mama Mia et de Ayana Webzi, en l'occurrence Edith Bou et Anissé chorégraphe. Malgré la pluie, les gens sont venus. C'était une belle initiative, c'était intéressant. C'est le genre de truc dont la jeunesse a besoin de temps en temps pour pouvoir être autant. On ne veut pas la guerre, on ne veut rien de tout ça. Là, on se retrouve. La Nordiste, il y a des bétés, baoulés, tout le monde, et on prend des moments de joie comme ça. Et c'est une initiative encouragée. Bientôt, plus tard, il faudra le refaire encore et encore. Un défi, le défi de réunir les personnes qui ne se sont jamais vues via les réseaux sociaux. Et je crois que c'est pari réussi. Et tout ce que nous disons, c'est merci à tous ceux qui sont là. Et pour notre pays, la Côte d'Ivoire, nous voulons donner ces images. Pour dire que paix en Côte d'Ivoire et que vive la réconciliation, l'amour vrai entre les Ivoiriens. Je vous remercie. C'était bien ce show. On le passe encore. Oui, je vois bien. Comme on le dit, tu sais qu'on le passe encore une autre fois, ou bien souvent. Oui, souvent. On le passe. Oui, souvent. C'est pas ta phrase, hein. Je voudrais qu'on repasse souvent. C'est quand ils se sont mis au milieu et puis ils ont dansé. J'aimais quand ils se sont bloqués comme ça. Et puis après encore, il y a eu au moins deux. J'avais envie de danser. Mais tu n'as pas dansé. Mais tu vas danser maintenant, non? Oui. Papa, je danse. Je vais danser avec mon ami. Voilà, allez, je danse. Voilà, absolument. C'était super, c'est à refaire. D'urgence.
groupe et puis tes impressions, tout. Est-ce que c'est est-ce que vous comptez Jacques, je pense que déjà ça a été une réussite parce qu'on l'a fait sans entreprise derrière. En fait, déjà c'est l'école de danse Mamma Mia qui a décidé de faire ce premier flash mob avec certaines personnes qui ont décidé de nous aider. Donc nous allons refaire ça, mais là nous l'avons fait montrer au monde entier que déjà les fils et les filles de la Côte d'Ivoire peuvent se réunir autour de la danse et autour d'une musique interplanétaire. Voilà. Et des remerciements, je dis merci à tout le monde, déjà qu'au fait à tous les médias en Côte d'Ivoire qui ont décidé de communiquer là-dessus. Et là, à tous les habitants de la Riviera, à tous les internautes. Parce que c'est grâce à Facebook qu'on a réussi à lancer l'événement. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec cet événement, nous sommes super bien contents parce que ça a été une grande première. Parce que c'est le tout premier flash mob non commercial de l'Afrique. Et là, avec ce tout premier flash mob non commercial de l'Afrique, c'est une grande joie. Maintenant, je profite pour remercier Madame Sarah Cissé, parce que grâce à elle, aujourd'hui, j'ai eu de nouvelles idées. Et puis, en tout cas, je lui fais un gros coucou. Et je profite pour pouvoir remercier celle qui m'a épaulé durant tout ce projet, qui est Edith Brou, qui a décidé de me suivre sur ce projet. En tout cas, merci à tout le monde. Oh, my God.